Parce que normalement, le marteau, dès qu'il a fini de jouer, il passe. Je vais déplacer un meeple dans une case 2. Et tu le développes, tu poses un meeple. Comme sur Célestia, quoi. Tu as construit deux meeples. D'accord. Je construis un bâtiment. Ah, c'est toi qui choisis. Pourquoi tu fais pas la catapulte ? Voilà. Hein ? Pourquoi tu. Comment tu fais pas une catapulte ? C'est la catapulte ? Ah, c'est la catapulte. C'est vraiment le truc puissant, la catapulte ? C'est le truc qui m'a fait gagner contre 4 joueurs, si tu veux savoir. Ah, d'accord. Et ensuite, ici, je fais ça, mais ça ne sert pas à grand chose, et je fais sortir deux meeples. D'accord. Ça me tue de jouer. Moi, bon, de cliquer, cliquer, cliquer. Attends. Cliquer, 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 à part de Vietnam. Tiens, on prend le marteau. Attends. Gris. Bien, c'est à toi de jouer, Pépère. Bon, fiche, bon, je le garde, le marteau. Tu tues, chapeau, ouais. Pointu. Et on en avait aucun dans l'entrepôt des troupes au départ ? Si, je crois. Attends, bouge pas, Kiki, je reviens. Là, j'en ai forgé 4 moi au début. Hein. Je reviens pour la mise en place. Je crois qu'on mise en place. Là, chaque joueur a été rechargé. Place et petite place. C'est la fin de soin. Allez. Il semblerait que nous ayons deux meeples dans l'entrepôt. J'ai les deux autres qui sont sortis du coup. Je vois pas où c'est marqué, mais je vois que là, sur la mise en place, il y a deux meeples. Oui, bon, bah j'ai fait sortir tous mes trucs. J'ai 4 meeples de sortie. Ok. Très bien. À toi de jouer, Astico. Moi, du coup, là, je crée un bâtiment. Normalement, on n'est pas censé savoir ce que l'autre construit. Ah bon, mm-hmm. Bon, ça se voit. Comment tu sais pas? Ça se voit pas. Eh, il y a des cons comme ça. Comment tu sais pas? Ils sont tous le même cul? Oui, il y a des trucs qui ont le même cul. Donc, normalement, tu sais pas ce que j'ai construit, donc tu te tais. Donc, je sais pas ce que je construis, mon cul. Voilà. Ah non, mais tu sais ce que tu construis, mais les autres ne savent pas. Moi je tire au sort, comme ça vous saurez pas parce que je sais pas non plus. Allez. Du coup là il n'avance pas, non? Non, pour l'instant non. Ici tu mets. C'est là qu'il se met là? Oui, sur la pierre. Là je vais faire saut. Et là. Toi, tu as des trucs que tu as fait au premier tour, toi. Et c'est quoi ça déjà? Tu mets 4 machins comme ça ici. Ce qui est utile. Tu m'as dit quoi? Du coup, ça je peux le mettre. Toi, t'as fait que les trucs qui sont un seul tour. Je peux le mettre là ou pas? Bah. C'était ceux qui étaient déjà dans la maison. Bah non, il faut l'or pour ça, mon pépère. C'est l'ordre d'épée qui permet de déployer des meeples. Donc tu as fini ton tour. Ah, ouais. Ça joue vite. Ah, vite. Mm-hmm. Allez, Chris. Allez, Christopher. Mais tu choisis le bâtiment que tu construis. Hein. C'est pas aléatoire. Oui, je sais bien. Non, mais c'est papa, il a dit que c'était aléatoire. Il va tout faire aléatoirement. C'est de la mouche. Je joue pas n'importe quoi. Alors. Pourquoi ils sont... Ah non, je crois qu'ils étaient couchés. Ils sont vraiment petits, les pions. Tu crois qu'ils étaient couchés? Quand tu as joué sur un truc, les hexagones, c'était gros comme ça. Là, c'est quand même mieux. Hein. Des grosses figurines. Ouais, mais moi, j'ai gagné. Bon, donc lui, il construit... 34 joueurs. Hein. Arrête de t'éventer. À chaque fois qu'il y a un joueur qui gagne une partie de meeple, il gagne contre 3 joueurs. Oui, donc mais c'est comme non. Ça ouais, c'est oui, mais non. C'est normal. C'est comme ça. Nous, c'était une version géante. Non, oui. Voilà. Oui. Nous, c'était une version géante. On peut pas d'ajouter ce qui se construit. Ah non. Non. Bah si, du coup, là, on sait si. Pas fini. On sait que vous deux, vous faites des catapultes. Pas forcément, regarde. Non, ils sont tous pareils. Attends. Ah bon regarde, hé, il peut construire ce bâtiment-là. C'est pas une catapulte. Pas belle, pas cité, moi, je leur construis. À moi. Qu'est-ce que je fais? Moi, je construis un bâtiment. Excellent choix, monsieur l'ingénieur. Monsieur la catapulte. Puf. Catapulte. Puf. Ouais, je construis un bâtiment. Moi, j'ai là, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Tricheur. Ah, tricheur, excusez-moi, c'était pour les exemples. T'as pas expliqué un truc, ça, la carte? Ça, c'est pour poser les bonus. C'est qu'avec ça que tu crées les bonus. Du coup, c'est. Pas forcément. Chris, il y a des cases où tu gagnes les bonus aussi. Ah, d'accord. Putain. T'es soudé, ce petit bouton. Oh, chut. Moi aussi, j'ai 4 meeples. Ah, t'en as 4 meeples? Ah, bah, je sais où il va taper. Youhou! Ah non! Ah oui, on est obligé de les faire sortir là? Oui. Ah oui, ok. Quand tu. D'accord, on verra ça. C'est pour ça quand qu'ils tu bouges, tu peux les éclater? Oui! D'accord. Tu peux faire. Ah, mais ça va aller vite. Tu peux faire. L'exploration du terrain va aller super vite. Hein. Alors, déjà, je crois qu'au départ, déjà, tous mes trucs viennent. Secondo, mes meeples peuvent bouger, non? Donc lui, déjà, il vient là. Tu fais quoi d'abord? Tu fais les constructions de bâtiments? Tu bouges avant moi, toi. Donc mes meeples. Ouais, ok, j'ai compris ce qui m'arrive. Oula, t'as mis deux sur le côté là. Pour contrôler le terrain, gagner des points de victoire, il attaque. Il faut 6 points de victoire pour gagner. Ça va très. Alors, j'ai 2 hexagones.
ils étaient pas. Ah, parce que ça, on a exploré. Ah, j'ai compris ça. Hop là, il vient de découvrir un truc qui donne du blindage. Bouclier. Et là? Et il vient de découvrir un truc qui produit. Je ne sais pas. Ah, bah t'as les deux. Oh, les deux. D'accord. Ok. D'accord. C'est trop dur, hein. Tiens. Ouf, ça va faire mal. Avec du blindage. Bah non, il contrôle pas. Pourquoi il contrôle pas? Il faut avoir deux troupes dedans pour contrôler. Ah, ok. Et pourquoi tu mets ça? Ah, parce qu'il veut pouvoir passer. Ah oui, Ah bah oui, je comprends rien. Je peux sortir par là? Non. Par là. Si. Non, quand tu déploies, c'est là. Ah ouais, j'avoue. Quand tu déploies, mais tu peux sortir. Donc gros bouffon, c'est ça, faut que tu. Bah oui, voilà. Pas forcément. Bah, si. Bah comment tu passerais si tu déploies là, tu peux aller là? Bah oui. Bah si. On peut faire de la recherche comme ça pour aller dans les. Pardonnez-moi les enfants, mais quand vous posez un hexagone, vous posez comme vous voulez. Ah. Donc il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Non. Mais t'as pas de troupes qui viennent de là, hein. Mais oui, j'avoue. Ça. Oh, mais laissez-moi jouer. Ok, vas-y. Parce que tes troupes, elles sont jamais dans le château. C'est-à-dire que, est-ce que tu vas pouvoir les mettre directement là? C'est ce non, que t'es en train de faire là. Non, mais je sais. Mais ah, c'est pour ça que si tu peux le mettre. Explique-nous si pourquoi tu peux. Oui, non, mais non. Comme ça, les meeples, ils vont pas pouvoir le. Comme ça, vous allez pas. Ah, tu voudrais la passer par là? Comment tu veux faire amener des meeples ici? Vous ne pouvez pas venir pour l'instant. Oui, mais toi non plus. Je vais le faire quand j'aurai d'autres meeples. D'accord. Ouais, ça sera rien. Et j'ai un point de victoire. Oui, donc tu vas déjà utiliser ton arbre. Bon, ok. Après, on joue comment? Ok. J'ai un point. Non, et mes meeples bougent. Non, t'as un point au début de ton tour. Mes ouvriers bougent. Alors, je répète. On contrôle, on utilise le bonus d'un terrain quand au début de son tour, on contrôle. Et là, il vient de contrôler, donc il n'a pas son point de victoire. Mon père. Donc, il peut être détruit avant de gagner son point de victoire. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Par contre, quand tu joues, tu expliques ce que tu fais. Voilà. Non, mais par contre, quand tu joues, tu expliques tout ce que tu fais. Voilà. Parce que ça, c'est pas possible. Toi, t'es un champion pour ça. Papa, s'il te plaît, arrête. Je mets un ouvrier là, un ouvrier là. Tu fais tous les jeux. Mes 4 meeples viennent ici, je mets mon truc là et mes 4 meeples sortent. D'accord, ok. Pourquoi tu comment ils sortent les 4 meeples? Parce qu'en fait, il a un épée. Ouais, il a l'épée 4 épées. D'accord. Ça, c'est quoi là-dessus? Voilà. Là, il a fait 2 meeples. Là, il en a fait 2 autres. Et là, il sort les 4. Il a un combo qui marche bien. D'accord? Donc là, il te donne un choix. Soit tu lui bousilles un point de victoire, soit tu lui bousilles 4 meeples. J'avoue. Voilà, ça, c'est comme pour ça qu'il s'est déployé comme ça. C'est pour ça que j'avais fait exprès. Tu as fini? Oui. Ok, il a fini. Bah, quand on a fini, il faut le dire aussi, c'est bien. À toi, réfléchis bien mon kiki parce que c'est un jeu qui est fou, hein. Il faut réfléchir, hein, ça va. Hein. Et moi j'ai déjà plus de meeple. Moi c'est plus de code. Ouais. Tu fais que dans quel sens? Tu fais d'abord les bâtiments ou les meeple? Dans le sens que tu veux. J'avance un, du coup j'en ai 4. Il faut suivre les phases de jeu. Bah, c'est ça. Et je répète la phase de jeu. Attendez, gain des bonus, terrain, personne n'en gagne pour l'instant. Avancer des ouvriers, c'est ça. Ah oui, très bien. Ensuite, action des bâtiments, et ensuite, déplacement des meeples sur le terrain, et éventuelle résolution des bastons. 4. Il y en a 4 meeples. Là, je ne sais pas si je reviens pour en mettre, ou... Tu peux pas revenir. Tu peux pas pour l'instant. Il a construit, non mais il a construit, si, il a autour d'avant. Ah oui, c'est avant, c'est, quand est-ce que ça se fait ça? C'est au début du tour. Ton tour. Ouais, du coup, si je vais là, je peux que en déployer 3 ici. On est d'accord. C'est ça. T'as tout compris. Bah quoi, du coup, je fais ça. Brrrr. Grèche quoi. Alors faut bien faire gaffe à ce que les cubes. Ils ont mentionné un truc sur les règles pour voilà. Pas qu'on se mélange les pinceaux entre ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. J'ai fait ça. Ouais, et j'ai détruit les quatre. Il n'y a que 4 bâtiments. Donc les 4 sont détruits et tu gagnes 4 points. Non. Il a détruit. Passez-moi un meeple de votre couleur à chacun. Là on comptabilise les tués que vous faites ici. Et donc le jour orange vient de dessouder 4 meeples. Il a 4 points de gloire. Dès que tu arrives à 7 points de gloire, tu gagnes 1 point de victoire. Et au bout de 6 points de victoire, j'ai. Tu as fini la partie. Une fois là, tu regardes 1, 2, 3. Et c'est des meeples que tu places. Ça, c'est des meeples à toi que tu places. Donc plus tu gagnes 2 points de vie, moins tu as de meeples à placer sur le terrain. Ouais, il y a quelques petits trucs, quand même, de petites finesses. Hein. Comme ça, c'est bien. C'est très fin. Ça se mange sans fin. Voilà. Oh, déplacement des cubes. Beaucoup. On y coupe, on lance. Revenir en arrière, pardon. Reviens à tous les cubes et je viens en arrière. Et comment on les fait bouger? Sauf ceux qu'on veut pas. Je pouvais pas les faire bouger du coup. Non, c'est que après. Ah si, tu les as déployés ici. Je viens les déployer. Eh ben, je reviens à toi, les bouger. Pardon, excusez-moi. On ne sait jamais, je crois qu'il peut bouger. Hein. Gain de bonus, c'est fait. Avancer des ouvriers, il l'a fait. Action des bâtiments, il l'a fait. Déplacement des meeples, tu vois. Bah oui, parce que toi, tu l'as fait, toi.
Voilà. Bah oui, t'aurais pu lui dire quand même. Et pas mal, alors. Genre ça. Ouais, par contre, tu vas manger, hein, mais tu vas lui bousiller ce truc. Alors attends. Il gagne 2 points de victoire. Non. Si. Pourquoi il gagne 2 points de victoire? Si. Il gagne 2 points. Mec. Il gagne 2 points. Et moi, j'en gagne 1. Non, mais et ça, les bonus là. Ah, tu les as pas. Ah, mais oui. Il a pas fini. Exact. Donc ça, ça revient ici. Tu gagnes 2 points de victoire. C'est ça, du coup. Et Noir gagne 1 point de victoire. Toi, t'as 2 morts aussi. Voilà. Oh, Fritos. Bien joué. Sachant que là, personne ne pourra venir me. Pour l'instant, personne. Du coup, là, de sûr, j'ai un point. Non, non, il faut 2 bonhommes pour contrôler. Ah bon? Ah. Ouais, c'est pas si facile. Non, c'est bien pensé son jeu, hein, Pépère. Les mécaniques sont rigolotes. Hein. Mm. Non, allez, à moi. Chris Paul. T'as vu la tête qu'il a? À moi. Qu'il a créé. Donc, alors, moi, j'avance d'un cran. Regarde, regarde la tête. C'est pas bien de se moquer. Un cran, lui, je l'avance. Un cran, je l'avance. C'est un intellectuel, ouais. Lui, je l'avance. Je prends 2000 peuples. Je mets 2000 peuples. T'en as du stock, mon pépère. T'en as 2 qui sont collés. Non. Sachant qu'en fait, il peut en créer 7 là s'il veut, bien, mais il a que des trucs de 2 ou de 3 pour déployer. Il va se prendre un coup de catapulte, hein, mon ami. Ouais, mais il peut que en déployer. Et ça, chaque tour, le tir catapulte. Non, non, c'est les deux. Bah oui, lui il était pas. T'étais allé là, mais tu vas aller là après. Il non, tu peux pas, tu peux pas. Ça, tu reviens en arrière, ouais. Lui par contre il avançait que d'un. Ouais. Donc là je fais avancer mes trucs. Je fais demi-pôle. Demi-pôle. Plus deux mecs qui se déploient. Plus deux mecs qui se déploient. Et là. Je l'avais agressé. 3000 pôles qui se déploient. Oh là là. Non, demi-pôle. J'aurais eu la catapulte. M'en fous, l'attaque des schtroumpfs, c'est moi. Et là, tu peux. Et là, attends, c'est bon, j'ai fini. Et là, tu bouges. Exploration à fond, même en débat là. Bouger deux ici pour les prendre des contrôles. Deux ici pour prendre des contrôles d'ici. Tu t'en fiches de prendre le contrôle là parce que là, tu peux te téléporter là-bas. Une grotte, c'est pour se téléporter l'autre bout de là. Ah, tu l'as pas dit ça. Ah merde, c'est pour une grotte. Je vous ai pas parlé des grottes. Donc, je peux aller de grotte en grotte. Ah oui, il y a des tunnels aussi. Bah, c'est ça, les grottes. J'en mets deux là. Quoi? Ok, il est plein les contrôles de ça. Du coup, là, t'as beaucoup de contrôles. J'en prends deux ici. Ouazaka, il est plein les contrôles de ça. Ça sert à rien d'avoir beaucoup de contrôles. Bah, écoute, j'en sais rien, on verra bien. Je les déplace après, les visible paramipole. Faut les mettre dans les trous d'abord. Ah, d'abord, je regarde la tuile et après, j'ai des places, c'est ça? Non, tu mets d'abord les nipples dans le trou, ensuite, tu pioches la tuile. Comme ça, ça fait pas de. Pratique, ça. Ok. Ah oui, tu mets les nipples. Comme ça, au moins, on est sûr que la personne n'est pas là. À toi, fini mon tour. À moi de jouer. Ah, bah, j'ai deux schtroumpfs. T'inquiète pas, tu vas plus avoir de schtroumpfs. Bah, je sais. Bah, je pense que, ouais, c'est un peu ça. C'est, tu joues, bah, tu te fais tarter. Tu joues, bah, tu te fais tarter. Bah, ouais. Un peu comme Warriors. Oui. Alors, j'ai deux nipples. Et deux meeples qui viennent, c'est-à-dire 4. Et j'en ai 4 qui ressortent. Depuis tout à l'heure. Bon, je vais être sur la 4. Hein. Alors, ensuite. Avec cette action-là. Ouais. Oui. Déplacement des meeples. Ah, j'ai même pas fait mon. Ma pose de... Si, je l'ai fait ma pose de si, tu l'as si, fait. Déplacement des meeples, j'en ai un qui vient là. Alors, tiens, là. Tiens, voilà, tu mets ça là. Hop, c'est quoi ça tu peux, c'est comme... Un tunnel. Pose-le comme tu le veux. Ah, ça, c'est un tunnel, alors, et ça, c'est une grotte. Je vais donner un exemple de la différence entre une grotte et un tunnel. Alors, j'ai une bonus. La grotte, souviens-toi de ton échec dans la grotte. Je mets mon arme. La grotte. Tout Space Range. Ah oui. Ah bah oui, c'est pas pareil hein, la grotte. Hein, non, ça n'a rien à voir. Donc la grotte, c'est ça, une grotte. Une grotte, c'est ça. Placé au choix sur un des bouts de tunnel, les meeples qui entrent ou qui sont déjà sur le terrain. Ah non, c'est pas une. Ah si. Ah non, ça c'est un tunnel. Ça c'est une grotte. Donc le tunnel. J'ai le droit de placer au choix sur un des bouts du tunnel les meeples qui entrent ou qui sont déjà sur le terrain. C'est-à-dire que quand je suis venu ici, j'avais le droit de venir tout de suite directement là. Bon, ah ouais, c'est je l'ai pas fait. La grotte permet aux meeples qui s'y trouvent déjà de se déplacer vers un terrain situé à un terrain d'écart de la grotte sans contrainte des forêts. Et j'ai ce bonus là aussi. C'est quoi un terrain d'écart? C'est je saute un terrain ou c'est j'avance que d'un? J'en sais rien. Permet aux meeples qui s'y trouvent déjà de se déplacer vers un terrain situé à un terrain d'écart de la grotte sans contrainte de la forêt.
sais pas. D'accord. Bah oui, ça veut dire que tu sautes deux. Grotte. Les meeples qui quittent une grotte peuvent, à la place de leur déplacement normal, se déplacer vers un terrain situé à un terrain d'écart de la grotte. Les forêts ne bloquent pas les déplacements par les grottes. En revanche, les grottes ne permettent pas d'atteindre un espace vide ou un bâtiment adverse. C'est bon, j'ai trouvé. Ça veut dire qu'on peut faire ça. Regarde, papa. La grotte est là, j'ai le droit de faire. Ça le casse, quoi. Quoi? Je suis à une case de la grotte. J'ai compris, sachant que s'il est là, il va là et... Non, c'est à deux cases. Non, je cherche un exemple. Ah, j'ai un exemple de grotte. Les grottes. Les meeples qui quittent une grotte peuvent, à la place de leur déplacement normal vers un lieu directement adjacent à celui-ci, se déplacer vers un terrain situé à un terrain d'écart de la grotte, donc deux cases. Vous pouvez pas dire deux hexagones, ça aurait été plus simple. Oui. Les forêts ne bloquent pas, tu vois, avec un exemple. Tu peux aller juste à côté si tu veux en passant sous la forêt, ou tu peux aller à deux cases. À deux cases de la grotte. Tu peux même aller explorer, tu sors du trou. En fait, c'est des grottes qui mènent à deux cases. Ouais. Question, donc j'ai joué. Oui. Question, si on dit que lui là il fait 1, 2, il peut ou pas? Ah non. Ah, s'il était dans une grotte, lui par exemple, il peut venir un, là. 1, 2 oui, et oui. En plus il explore ça et ça. Non, il peut explorer pas ça. Mais ça, oui, il sort de là et il explore le truc qui est directement ici. Ah, il personne ne peut le laisser. Oh. Ouais, il peut aller se barrer là. Hmm? Papa, j'ai fait ça. Ouais, mais sachant qu'il est bloqué là, si c'est un truc nul. Il est bloqué là-bas. Combo, mais ok, d'accord. Okay. J'en ai un qui s'est exploré là et un autre. Du coup, moi, ça, j'ai fait ça et ça s'est. T'as fini de jouer? Oui, c'est retour. Et mystère, qu'est-ce qu'il a construit? Il a construit, je ne sais pas ce que c'est. Un monastère. Ouh, un monastère. Parce qu'en fait, si vous cube, détruisez pousse, ça, voilà. Bah en fait, je peux plus... Pousse-le là, pousse-le là, ça y est, au prochain tour, tu pourras commencer à monter comme les autres bâtiments. Donc. Ensuite, donc là, tu recules tes bâtiments qui ont terminé. Grishkov. Voilà, et tu recommences. Du coup, je sais pas. Je me demande si on fait ça bien, pardon. Pourquoi? Non, parce que nous, avec nous, on faisait ça. Je me demande si une fois que t'as fait ton truc, tu vois, par exemple, là, je suis là, j'ai fini, à mon tour de jeu... Au lieu de revenir ici puis tout de suite venir là, je me demande si c'est mon tour de jeu, je dois pas revenir là d'abord. De quoi? Ça me semble un peu bancal. Non mais papa, moi ce que je t'ai dit, tu m'as dit mais non, c'est pas comme ça. Avec la catapulte, normalement c'est ce qu'on avait fait là-bas. Quand on a les trucs à deux cases, on fait ça, regarde papa. C'est quoi, papa? On fait ça d'abord. Je recule une case. Non, c'est ce qu'on a fait. On sait pas qui recule, on sait pas qui avance. C'est ce qu'on a fait. Tu déplaces deux unités adverses. Je dis c'est ce qu'on a fait au club. Oui mais non. Oui mais c'est ce qu'on a fait. Oui mais non. On va vérifier l'action des bâtiments. Pour chacun de ces ouvriers qui atteint une case action au bout de la piste, l'action, le joueur applique l'action. D'accord. Si un joueur d'appliquer plusieurs actions, il fait ce qu'il veut. Non, j'ai lu un truc là-dessus, faut que je le retrouve. Et je rejoue, et je fais. Et là, il gagnait pas des points, surtout. Quoique, du coup, bah non, vu que j'étais tout seul. Du coup, en fait, je vais lui bousiller son truc. Bon, je sais pas si on a le droit d'aller explorer ici quand t'es une grotte. Je suis pas sûr. Ça sinon, toujours il est bloqué en fait. Sinon, il est bloqué. Faut que ce soit connecté. Non, faut que ce soit connecté, c'est tout. Ouais, c'est bizarre. Ah, tu peux tout mettre là ou tu peux non, mettre non, ah, là. Non, mais regarde. J'attaque. Bah, tu peux pas attaquer. Si. Tu vas perdre. François, regarde. Il va aller tuer une unité et lui bousiller son point de victoire. Écoutez bien ça. Écoutez, je suis encore sur mes petits ouvriers. Lorsqu'un ouvrier se trouve sur la dernière case d'une piste d'action, son déplacement consiste à le replacer sur la case de départ de cette même piste. Son déplacement. C'est ce que je viens de dire. Je pense que c'est ça. C'était pas. De quoi? Je m'explique. Je m'explique. Regarde, je fais un tour. Lors d'un tour, je fais ça. Deuxième tour, je fais ça. J'applique le machin. Troisième tour, je reviens. Ah oui, non, c'est oui. C'est trop long. Bah non, mais c'est normal. Ouais, mais non, sinon c'est bizarre. Sinon c'est trop rapide. Ouais, donc on va très vite. Oui, on va trop vite. On joue trop vite. On joue beaucoup. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a déjà du monde là. C'est pas grave, on a gagné du temps, mais on va faire ça maintenant. Toi, t'es déjà revenu en arrière. Oui. Comment ça s'est passé? T'as déjà joué ton tour? Bah oui. C'est joué qu'on refait un tour comme ça de speed, et à partir de Jordan, on joue normalement. Okay. Du coup, moi j'avais donc, fait c'est là. C'est logique. Non, mais c'est bon. Non, mais toi, t'as déjà joué toi. Pas grave, toi, t'as joué. Et c'est du un coup, peu sûr que t'avances trop que. Regarde ce que je fais. Lui, il était là, vu que je peux pas gagner, je t'envoie un. Je t'en fais perdre un. Donc, comme ça, il perd son point de victoire. Tu perds ton point de victoire. Ouais. Et tu gagnes un point. Du coup, ouais, on gagne un point. Non, pas moi. Pas lui, pas moi. Ah oui, c'est pas toi. Mais il est pas à 7 là. S'il est à 7, donc il revient à 0, il a un point. Allez, hop. Tiens, tu prends un tes meeple et tu mets. Tu prends un tes meeple. T'as un point de victoire. Tout en bas. Tout en bas, ouais. Dès que t'as un gros, t'as gagné. Et là, t'es 3, tu peux les monter là. Bah oui. C'est ce que j'ai fait. Comme ça, tu gagneras un point de victoire, si possible. Dans tous les cas, j'en gagne un, mais s'il en bouge un, ça m'en fait. Ouais. Mais tu vas pas te faire attaquer que par lui. Bon, c'est à moi. Ouais, je sais pas. Et ça, attends, quand donc, tu restes un tour, c'est un point de victoire. Victoire. Ah ouais, du coup, c'est rapide ça. Ouais, là, t'es en position, tu crées des points de victoire.
Donc là, pour la dernière fois, on va tous reculer pour réavancer. Ah ouais, que... Téléphone. Ouais. C'est marrant. Qui appelle, putain. Tu l'as raccroché. Mais il n'est pas disponible. Je n'ai pas raccroché, je lui ai dit que je te réponds plus tard. Ah, tu lui envoies un message comme ça en faisant ça. Quand tu fais ça. Bah, quand ça sonne. Ouais. Quand ça sonne, la petite message qui apparaît. Tu as marqué, tu fais message. Je te réponds plus tard. Ah ouais, je ne sais pas comment dire. Ouais, mais là, rappelle-la parce que. Là, je rappelle. Moi, ce que je pense aussi, la plus une deuxième fois, c'est que là, il y a urgence. Appelez Petra. Excusez-moi. Ça a été vu. J'appelle Petra Pinard sur son téléphone portable. Nadie. Petra. Non. Quoi, non tu... Non, mais c'est pas toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, non? Pour ouais. Sortir le chat? Non, pas ça. Ah bon? Parce qu'il lui a fait. Je suis en train de jouer, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je crois que c'était urgent, tu me rappelles deux fois d'affilée. J'ai envoyé un message en disant que je te rappelais. Dans 3 heures. Oh. Ouais. J'ai faim. Oh. Allô. Il est 4 heures. Ouais, bah, il est sorti de ta vie. Il est 3h30. Il est 3h30, il est sorti de ta vie. Il est 4h-30. Non, on a mangé à midi et demi. Hein. Ah. C'est marché à qui ça? Ouais, bah, c'est ça. De toute façon. Il était pas sur le canapé? Bisous tout à l'heure. En là, plus, ici, normalement, nous, on goûte pas. Pas de goûter. Jamais. Sauf quand il y a du sport en fin d'après-midi. Ah, parce qu'il goûte, c'est pour ça aussi. Ouais, bah, on goûtera tout le temps. Donc, si vous goûtez. Il goûte jamais. Mais oui, vous goûterez. Bah, vu que papa il a acheté les petits trucs là. Les petites briochettes là. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait moi? Bah, je ne sais pas du coup ce que rien. Bah, non, t'as pas joué. Bah, j'ai pas joué. T'as pas joué du tout. Donc, j'ai pas du joué. Tout. Donc, je suis revenu en arrière. Donc, ce truc là, il faut que je génère. Oui, mais tu peux directement le faire vu que c'est autour de Jordan qu'on refait. Ouais, donc c'est plus simple quand on fait déplacement des ouvriers. Bah, tu viens en arrière ou tu les avances. Ouais, c'est quand même. Là, c'est vrai que c'est plus logique. Donc, là, je régénère 2. Donc, on a fait un petit peu. On a été plus vite. Ouais, un peu vite là. Mettons, on a gagné du temps. Pourquoi j'ai fait ça là? Ah oui, c'est parce que Oni, j'ai fait ça tout à l'heure parce que je pouvais rien faire. Donc là. C'est pas des explorateurs là-bas. J'en génère 2. La condition de victoire, tu gagnes. Tous les gens qui gagnent le plus souvent, c'est les gens qui explorent énormément. 7. Ah bon, je génère 7 là-bas. Bon, ça sert quasi à rien, moi, chez là-bas. Tu peux en mettre? Ah bon? Lolo. Mais oh, ils sont couchés, tes meeple là. Ouf. Il y en a quand il avait mis ses meeples, il les avait mis comme ça. Il n'y aurait pas eu le truc, on peut déplacer, moi j'aurais mis un coup de catapulte sur ça. Bah oui. Là, à moi de jouer. La catapulte, elle est prête. Bah oui, elle est prête. Ouais, mais c'est qu'après, mais là, il bouge. Il peut bouger là. Hein. Il va explorer tout. Là. Faut que tu te déplaces de 1 en 1. Là. Bah, sinon... Enfin, exploration, n'oublie pas exploration, c'est possible. Je peux buter aussi. Bah, tu peux buter, bien sûr. Enfin, bah, c'est une grotte que j'en ai pété. Mais ouais, je gagne des mecs. T'envoies un meeple si t'as pas envie de le faire gagner ton victor. Ah oui, c'est vrai que je fais gagner des points de victoire sinon. Si tu m'en tues 2, t'as 2 points de victoire, tu m'en tues 1. Tu sais qu'il a le droit de faire quelque chose, t'as le droit de faire un rush, regarde, tu fais une attaque là. Une attaque là, donc les 2 paires à meeple, ils retournent là-bas. Oh là. Donc toi, tu lui en as tué 2. Non, je crois que t'as pas droit. Non, ça t'aurait pas le droit. Non, mais tu lui en as tué 2. Mais non. Mais oui, sinon tu fais ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est quand t'es dans la même zone, même si tu fais une attaque par une, t'en perds 2, il en perd 2, tu te fais un point de victoire. Mais non. Bon, si tu veux. Si, il a compris, j'ai compris. Oui. Si moi je faisais 2, j'en perds 2, il en perd 2. Moi je fais 1 point. Je fais 2 points de victoire, il en fait qu'un. Oui. Donc j'ai aucun intérêt. Oui, ça n'a aucun intérêt, c'est ce que j'étais en train de dire en fait. Bah, par contre, on ne précise pas ça. Relis pas les règles. Chaque meeple, meeple par meeple si tu veux, présent sur un terrain peut se déplacer une fois. Oui, mais même mais tu fais d'abord tous tes déplacements et on résume les combats après. C'est pas si simple. Mais j'ai pas dit ça. Question, quand je vérifie là, est-ce que en fait j'envoie les meeples d'abord ou j'envoie 2 par 2? Non, t'envoies les... Tu peux envoyer les 2. Oui, faut que, surtout quand on explore, faut en envoyer 2 par 2 parce que tu comptes les bonus. Au prochain tour, tu contrôles dans ce cas. Voilà. Donc ça, on alors voit attends, là, dans ces cas-là, j'ai fait quoi? 4, ouais, c'est bien. Je m'en fous en fait. Donc qu'est-ce qui se passe là? Bah, d'ailleurs, je vais faire ça même plutôt. Parce que ça, c'est juste un chemin pour lui. Tu gagnes un point. Et toi, t'en gagnes 0. Capoute, tu gagnes un point. Pouf. Bah, je sais pas, parce que dans le tour, je viens d'en tuer 2. Non, ça marche pas, ça. Non, c'est dans la même zone. Tu mets pas? D'accord. Du coup, là, tu. Ok, ouais, tu contrôles. Là, on va regarder ce qu'il y a là. Tiens. Oh, pas de chance. Ouais, c'est. Pourquoi? Dans une grotte à côté de chez toi, ça pue.
Parce que tu vas avoir beaucoup d'unités qui vont spawner juste là. Genre moi si je vais là, c'est... Et au tour prochain, hop, ta cité. C'est des portes des étoiles. Ouais, super. Sauf si je fais ça. Oui. Ça, par exemple. Hein, on est bien d'accord. Oui, oui. Les arbres qui cachent la forêt pour avoir accès à ta cité. Ouais, mais il peut quand même arriver là et faire 1, 2, ouais, mais ça prendrait du temps. Ok, donc bref, Ok, il va regarder l'autre. Hop, tu as chopé ça. Oh, bah c'est bien. Bravo, non, c'est bien de explorer. Voilà. Je vais bien écouter. Ouais, c'était bien, ouais. On a bien fait du faire explorer. Ok, t'es content, j'espère. L'autre, je vais le tirer. Tombe sur la tête là, tu vois. Blushkov. Ouais, ça va te jouer. Blushkov. C'est mon tour de jeu. Bon, alors en fait, je reviens à zéro, n'est-ce pas? Puisque c'était comme ça qu'on jouait jusqu'à présent. Lui, il avance. Papa. Donc, lui avance. Fais tes bonus déjà. T'as un meeple qui sort directement. Attends, j'ai fait aucune avance. J'ai un meeple qui sort. Tout ça. J'ai ces deux-là. Ah oui. Ben, moi, j'ai les deux j'ai autres. Un meeple qui se crée déjà. Puf. Et un meeple qui sort. Regarde-moi ce que j'ai, papa. Grishkov. C'est mon bonus. Ok. Très bien. Ensuite. J'avance un tour ici, mais j'ai l'impression que j'avance pas bien vite là, mais bon. Je vais fabriquer. Moi, c'est une usine à gaz. En déplacer 3. C'est mes cas, je déplace. Ici. Grishkov. Mais à ce tour-ci, je veux pas de mort. Ça me va bien. Tu fais pas de mort? Non. Du coup, là, tu déplaces tout le monde. Du coup, je déplace tout le monde. Sauf si tu ne veux pas, parce que si tu pars de Attends, là, tu lui, il a tous les bonus d'attaque et de défense possibles imaginables. Ouais, mais il n'en a que un ici, un là-bas. Mais là, il peut pas venir. Pourquoi je pourrais pas? Ah, mais je pourrais pas venir. Ah, sauf si je fais ça. Ouais, mais fais-le. Mais tu peux réfléchir. Oui. Je peux jouer tranquille et je peux. Oui. Bah, je vais arrêter de réfléchir à voix haute comme toi, parce que tu vois, c'est gonflant. Alors, fais-toi. Parce que si je viens là, il me tue le premier. Après, je lui tue pas le deuxième, mais lui tout seul, il me tue deux mecs avec ces bonus-là. Ouais. Ah bon? Catastrophe, ça. Bah, il a deux. Je le tue en premier et je la première perte, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Il a juste les deux super. C'est là qu'il y aura plus personne. C'est ça. Il a deux super. Du coup, en fait, il faut l'attaquer à 7 là-bas. On va tous l'attaquer en même temps. Comme ça, moi, je mets un petit coup de catapulte. Hein. Un coup de catapulte pour une unité. Ouais. Bah, une unité de 7, mon cas. Ça me fait. Bon, lui, il attaque là. N'est-ce pas? C'est une grotte. Eh ben. Ah oui, non, je croyais que tu l'avais utilisé. Non, mais c'est bon. J'ai cru que tu l'avais utilisé comme ça parce que tu l'avais bougé de deux. D'accord, moi je vais être sympa. Lui, il attaque ici. Grécha. Je t'ai attaqué là. Oui. Ah. Lui, je ferais bien la même chose parce que je vais pas faire mon salaud, je vais faire gagner des points aussi. Hein. Allez, vite. Lui, il attaque là. Les deux attaquent là. Grécha. Oui, t'as pas de pas aujourd'hui. J'ai exploré. Ah ouais, mais il a aucun case. Mort. Ben oui, j'ai pas de mort. J'explore cette case. Oh. Elle l'a mis sur route. Oh, Grishkov. Oh, c'est cool. Je mettais les deux, bien sûr. Cool. C'est quoi? C'est un point de victoire. Grâce à tous les tours. Ouais. Bah, pour aller chercher, catapulte. C'est compliqué. Catapulte. Grishkov. Ah oui, j'ai pas de mort. Ouais, mais je vais faire défoncer si je veux. De toute façon. Dans tous les cas, ils reviennent dans ta caserne. Ouais, mais moi j'ai gagné des points. Non, ils vont rester là, ceux-là. Grish. Donc les combats. Bon choix. Je t'en tue deux, je gagne deux points. Il t'en tue deux. T'en gagnes un. Non, dans l'entrepôt. Dans l'entrepôt. Moi, il revient de l'entrepôt. Pourquoi? Ce parce que j'ai donné l'ordre qu'il ne meurt pas. T'as pas fait. Ah oui, t'as fait exprès. Hein. Je t'en tue deux. Ah oui, je fais exprès. Je t'en tue deux, donc. Il gagne un point. Il gagne deux points et t'en gagnes un. Je t'en tue un. C'était où? C'était là, hein. Ouais. Et je regarde là. Voilà. Grishkov. Et j'ai fini mon tour. Oui. D'accord. Donc maintenant, au tour, on joue normalement. Attention. Grishkov. Voilà, du coup, en fait, si on met toi à zéro, il n'y a rien. Et voilà, il a fini son tour. Non. Donc il peut bouger ses troupes. Oh. Ah, mais du coup, il perd son bonus. Non, il n'en avait point. C'est à moi de jouer. Non, c'est pas toi. T'as tellement trop. J'utilise ma grotte là, c'est ce qui me fait bouger deux. Ouais. Je fais. C'est pas re en déplacement, bon, non? Non, ça marche. Dès que tu arrives sur une case, souterrain, parce que ça c'est tout ça, c'est grotte. Dès que tu arrives sur souterrain, quand tu arrives, tu peux immédiatement atterrir. Chris, c'est pas pour toi que je fais ça, c'est pour lui virer ses points de victoire à lui qui se rend là-bas.
Tu vois, Alex, il peut le faire. Hein. Ouais, tu vas faire mais je vais pas faire un tour. Bah ouais. Tu m'attaques. Mais lui, il a pas de plan de victoire. Lui, il est pas dangereux. Ah si. Ouais, mais regardez la carte, les mecs. Oh, la grotte, je pouvais pas aller là. Ouais, ouais, non, mais je sais bien, mais. Je peux me re-téléporter. Ouais, ouais. Tu gagnes un point. Moi, parce que tu remets un mec, un meeple là. Parce que tu es là au tour, t'as tenu un tour. Ah ouais, au début de ton tour, on compte. Je sais que dans tous les jeux, tu n'as juste rien besoin, c'est de me détruire. Je sais, c'est. C'est quoi, c'est ça? Non, mais non, t'as joué. Ça s'appelle quoi? C'est Freud, hein, c'est ça, hein. C'est ça. C'est tu tues ton père à un moment donné. Le jeu, ça permet de tuer le père. Ah, ouais, papa, ouais. Arrête. Alors là, par contre, c'est. Mais arrête. Tu reviens en arrière. Okay. Attends, tu reviens en arrière. Non, lui, je reviens ah oui, tu vas là. Bon, t'avances. Fais ta victime. Ouais, ta victime. Il a dit, fais ta victime. Bah, il répète ce qu'on lui dit. Hein. Là, là, j'en ai plus. Deux. Ah, je suis désolée, ouais. C'est pas moi qui vais le dire. Ça sert à rien. Non, je suis pas avec ça. Deux. Je te posais juste une question. Est-ce que t'avais vu ça? Ah non. Oui. Ah, ok, d'accord. Parce que lui, tu l'as pris ton point de victoire, Kiki? Oui. Voilà, deux points de victoire. Il est au milieu de la map. Oui, là, deux points de victoire. Ou tu veux 0 points de victoire. T'es caché dans ton coin. Personne ne peut te toucher. Continue. Monsieur le. Le professionnel. J'ai explosé Francis Cabrel. Voilà, là monsieur le professionnel. Vraiment n'importe quoi, je regarde. Du coup, j'en ai deux. Voilà. Coup, il fait des points là par contre. Moi, j'ai deux points là. T'as deux points ouais. Bah oui, bien sûr. Tu vas vers ton troisième point de victoire. Ah, mais c'est pas grave. Et du coup, là, c'est à moi de jouer. Fais pas d'affection, papa. Bah, du coup, tu j'en ai trois là. Ouais. Par sécurité. Voilà. Et je remets deux ici. Okay. Tu sais que tu vas t'attirer quelques foudres normalement. Je pense que tu vas prendre tout le monde sur la tronche. C'est pas grave. Bon, c'est à moi de jouer. On va tous avoir nos catapultes. Premier truc, je reviens en arrière ici, je reviens en arrière là, j'avance de 1 ici, je reviens en arrière là. Ça y est, c'est t'auras plus de catapultes. Ouais, c'est pas vrai. Tu sautes t'as des mouvements, t'es content, hein. J'explore. Tu peux pas aller une forêt. Donc tu vas explorer ici, mon père. Et tu découvres. Oh, magnifique! Je ne sais pas quoi. Un bâtisseur, un truc, ça qui est tous les tours. Ça fait quoi? Ça veut dire que ton prochain tour. Tu choperas le bonus bâtisseur. Et pourquoi il n'y a qu'un jeton? Bah, qu'un jeton, mais tu t'en fiches, c'est-à-dire que lui il a le même bonus, c'est le premier qu'à ça, il le garde. Ah bon? Mais pourquoi? Je sais pas. Mais c'est parce que l'autre il n'a pas besoin de l'avoir, il faut qu'il se rappelle qu'il a le bonus. C'est marqué dessus de toute façon. Ouais, mais oui, c'est marqué dessus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait. Tu contrôles la zone et que tu as un meeple, dès que quand tu contrôles la zone, qui fait ouais, ça tous les tours en fait. Des stages, ah, ouais, ah j'ai un meeple qui apparaît tout le temps, oui. Mais tu la contrôles plus, François, toi aussi? Ah bah non, je la contrôle plus. Mais si je la contrôlais, il y aura quand même un souci de jetons. L'épée, tu la contrôles. Donc, la c'est quoi, l'épée, je la contrôle, toi tu contrôles ça. Coup, là, moi, je garde ça et ça parce que personne ne contrôle. Tu as fini ton tour. Ah oui. Alors, je fais avancer. Alors, je regarde les bonus que j'ai toujours. Je fais avancer ça. Bah non, tu vas pas être si loin. Moi, je suis à deux. Coffre. T'as un plus que moi? Oui, il a construit un bâtiment. Ah, t'as construit un pour moi. Ah, d'accord. Je recule ici, je recule ici, je recule là, j'ai fini mon tour, j'ai fini mon tour, mais je peux spawner une troupe ici. Ça c'est ton bonus de quoi, le spawn du truc? C'est ça, c'est le fait que je contrôle cette zone qui me permet d'amener un truc. Et ben je crois que le professeur va choisir plus. Ça je peux absolument pas défendre ma cité. Non. Très bien. Question François. Ouais. Si je fais ça, là les deux qui déploient. On dit que Jordan il met deux personnes sur ma catapulte, je dois faire hop, tu dégages. Non. Non. Tiens, Storz, tu vas même pas pouvoir arrêter les points de victoire de. Ah si. Quand même. Un. Quoi un? Rien. C'est pas évident. Ah si oui, mais bon. Non, je peux même pas lui arrêter. Pourquoi? Ah si, avec mes bonus. Ah oui, avec tes bonus, il y a un décompte. Dans tous les cas, j'en ai gagné un quand même. Oui, tu veux. Donc, j'ai ma catapulte qui se retourne. Elle est construite. Ouais, c'est un petit Warcraft, hein, mine de rien. Mm-hmm. Ah ouais, un peu plus intelligent quand même. J'ai Warcraft était tactique, oui. Au niveau combat. Non, mais Warcraft c'était pas du. Enfin, c'était beaucoup plus simple quand même en termes de construction. C'était plus complexe à jouer en plus. Ah bon? Parce qu'il y avait des, ouais, il y avait des décalages dans le tour et tout. Ah peut-être. Ouais. Maintenant, je bouge. Ouais. 4 qui spawnent. Mais ça ressemble énormément à la mécanique du Warcraft. Donc j'en ai un qui vient ici. T'as le premier mort. J'ai pas ma première mort, donc je te tue un et toi tu me le tues. Et le troisième humeur aussi. Non, mais si. Mais non. Bah, attends, je vais t'expliquer. C'est pour ça que je lui en tue deux avec mes bonus. Je t'explique, voilà. Ton premier bonus, tu lui en tues un, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc ah là, oui, mon tu gagnes oui. Un point. Mon deuxième. Maintenant, normalement, il y a combat simultané. Ah oui, mais moi, j'ai toi, pas. J'ai pas perdu. Tu ne perds pas le premier. Et rebelote. Et là, c'est bon. Voilà. Donc, tu gagnes 3 points. Je t'ai fait 1, 2, 3. Et lui, il gagne rien.
Moi, si j'en envoie un, c'est la même chose. Non, tu dois faire tous tes mouvements avant de résoudre des combats. Oui. Oui, enfin. Si, si j'en envoie trois, là, tous les trois ils meurent, sinon j'ai une perte. Je crois. On va vérifier, mais bon, fais tous tes mouvements d'abord. Ouais, fais tes mouvements. Ouais, ensuite, tous tes mouvements. Non, mais c'est tout. C'est tout, t'arrêtes là. Je fais rien d'autre. Donc la première perte, elle est pour lui. Ensuite, il y a combat simultané, sauf que le tien ne meurt pas. Voilà, tu regagnes 2 points. Gagné, je crois. Ah oui, quand même. Voilà. Ouais, enfin, j'ai toujours pas de points. Hein. Enfin, là, je vais pour te retirer de là, mon pote, à quoi ouais. T'as plus bon surgi. Hein. Ouais, c'est ça, il y a quelques plus, t'es en faire pouf, tout. Ah bah là. Ouais, mais j'ai mes unités qui vont faire tout. Mais bon, tu n'as toujours pas de points de victoire. Oui. C'est ce que je suis en train de dire. Mais tu contrôles le terrain. Il a fini de jouer. Donc tu remets toi à 0, donc là on rejoue normalement, ça fait un truc. Là, lui celui-là peut faire quelque chose. J'en déploie 3, vu que j'en ai que 2. Ouais. Ah donc, quoi que. Attends, j'étais là. Ouais, vaut mieux que t'en génères souvent. J'en génère 2. C'est peut-être mieux, ouais. Non. Oh oui, c'est fini, ouais. Et t'as un yeah, oui. Et t'as fini. C'est pour ça en fait, sinon ce serait. Il va falloir qu'on se concerte les enfants, parce que là. Il devient trop gros lui. Toi t'es dangereux, lui il devient gros. Nous, on en a. Nous, il faut se concerter. C'est à nous de se couper. C'est nous qui allons prendre le tarot. Tu veux nous catapulter la tronche en 2 tours. Enfin, mais non, je vais lui faire ça tous les tours. Ça, brûler. Là, et je vais lui brûler à chaque fois. Je vais il faut lui péter sa catapulte. Oui, c'est ce qu'elle a. Gris. Gris. Je parie que je ferai un truc dans la tronche. Ça, vu la tête que tu m'as fait. C'est quoi quand je contrôle ça? Ça me fait apparaître. Ouais, putain, j'ai eu aucune perte. Non, je comprends c'est pas. À la fin du tour. Non, ça se fait dans les phases de jeu, c'est. C'est à la fin du tour, je crois. Ça va faire tout petit peu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne contrôle pas encore. Phase de jeu, non, je le contrôle depuis le début. Qu'un des bonus de terrain. Bah si, là. Ah, donc je le mets là. Là. Avancer les ouvriers, action du bâtiment. D'accord. Donc avancer les ouvriers. Attends, qu'est-ce qui se passe? Rien, il a gagné un truc, c'est tout. Pourquoi tu m'as fait une tête bizarre, toi? Je peux faire. Tu m'as regardé, t'as fait. Mais non. Mais Ronaldo. Zinedine Zidane. Tu peux avoir ça, s'il te plaît? Non. S'il te plaît, Jordan. Pas paradigme. Jordan, donne, s'il te plaît. Non, je te dis. Vas-y, c'est pas sympa. À moi de jouer. Ah, j'ai fini ma catapulte. Grishkov. Bon, la mécanique de construction est assez sympa. Mmh. Simple. Mes amis. Simple, on peut pas se tromper. Maintenant, j'ai on bien. Camouflage. On a avancé des choses. Arceau, doublé, c'est le mec. D'accord. En fait, sa catapulte, elle va servir à détruire ça. Il n'y a pas de catapulte qui va attirer. Il n'y a aucune catapulte qui va attirer. Mais... 9. Ah, je crois que c'est là les constructions. Ben bah, ouais. C'est quoi? C'est quoi ça déjà? Je m'en rappelle plus. C'est pas le bonus. Ah non, tu bouges un de plus. Y a un worker. C'est-à-dire que tu choisis un des bonus que t'as. Non, ça, c'est pour le jeu. Non, d'accord. Ouais, mais tu veux. C'est-à-dire que tu choisis un des bonus que t'as. Plus vite. Tu choisis un des bonus que tu veux. Non. Ah, si. D'accord. C'est le choix d'un bonus au hasard. Non. Move one worker. Non, ça, c'est pour le sablier. Bah ouais, mais si tu joues le sablier, c'est-à-dire que tu peux faire une catapulte plus vite. Oui, mais il parle pas de ça, il parle de la carte. Ah, la carte, c'est pour avoir des bonus. De bonification de terrain parmi ce restant. T'es nul. Ouais. Ok, c'est quoi le truc? Ah, tu traverses la forêt. Ouais, bof. Grishko. Très bien. Bah, aïe. Mon dos. De toute façon, vraisemblablement, je vais pas faire de combat. Non. Fast and Furious. Non, j'ai pas été là. Tâche ta musique de Fast and Furious. Là, je vais. D'accord. T'es sûr, François, qu'il a droit à tous les tours d'utiliser ses pouvoirs? Mais oui, nous, je contrôle la zone. Ouais. D'ailleurs, c'est pas être méchant, mais ces trucs-là, en fait, c'est pas c'est ça. Une fois c'est toi qui les as quand tu construis avec l'université. Avec l'université, c'est marqué, tu fais des bonus. Choose a territory bonus token within the available one. Ah, donc bah ça non, n'a parmi, parmi ceux qui restent. Ouais, parmi ceux disponibles. Non, ils partent pas. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait tous des universités, bah, si les mecs ils ont tous pris un truc, bah, tu peux pas le prendre. Les bonus, tu les comptes sur les trucs. Ce qui me semblait bizarre. Pourquoi est-ce qu'on prendrait les bonus? Oh, c'est pas grave, mais je les contrôle quand même. Ouais, bon, okay. Ça veut dire que non, ça, c'est qu'une les... fois par tour. Non. Bah, non, tant qu'il les compte. Non, tant qu'il les a, ça veut dire qu'il peut, il a le bonus. Sur 3 troupes. Donc si on lui tire une catapulte dessus, on détruit, il a plus le bonus. C'est ça que ça veut dire. Ouais, mais après, il leur mettrait deux à chaque fois. Parce bah, il que peut là, pas. Bah si, à chaque fois qu'il leur fait apparaître, il le met là. Et voilà. Ah oui, parce que tu spawns à deux tours. Tours. Oui. Ah, oui. Tous les deux tours, j'ai fait spawner. Enfin, Alex, si t'as deux mondes. De Grishko. Non, mais dans tous les cas, tous les deux tours, je vais me prendre deux catapultes dans les grands. Non. Dans les grands. Si. On va pas faire que ça. Sauf que moi, j'ai une meilleure utilisation de ma catapulte. La meilleure technique, c'est d'envahir les villages des autres. Parce que dès que le bâtiment est détruit, tu gagnes les points de victoire. C'est plus lent de détruire une zone où il y a des meeples que d'envahir une ville. Par exemple, si moi j'utilise ma catapulte pour ça, je gagne 2 points de victoire.
C'est un peu une étoile. C'est à toi de jouer. Ça marche ? Alors, tu reviens en arrière ou t'avances ? Et déjà, ici, il gagne un point. Oui. J'ai plus de meeple ! J'en ai plus que deux. Griche, quoi. Ça ne va pas de victoire, on vous dit. On n'est pas dans la merde. Hein ? Ouais. Grishkov. Je crois qu'il t'es, a pas t'es vu. Une horde barbare aux portes de ta cité. Grishkov. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, parce qu'il a... Tu viendras m'aider. Je vais venir t'aider, t'as raison. Il va les convertir. Ah, le centre se libère. Il va les convertir. Et c'est fini. C'est tous les deux tours qu'il est converti. Il peut convertir comment? C'est où? Ah ouais, avec c'est curé. Non, il a joué à Age of Empire, le mec a créé le jeu aussi. Ah, peut-être. Ah, oui, c'est une tu peux convertir dans Age of Empire. Ah oui, c'est vrai que tu convertis. Ouais, du coup, c'est à mon tour. Il y a un petit côté Age of Empire et Warcraft. Là, j'ai fait ça. Là. Ah ouais, mais du coup, là, j'en ai 4 et je vais détruire mon truc. Ouais, ouais. Je l'ai promis. Parce que d'un côté, tu mobilises un peu juste 4 meeple pour son centre-ville, quoi. Donc, oui. Je suis pas sûr pour calcul. Hein. Non, mais moi, au moins, je l'empêche de jouer un tour. S'il va pas faire ce qu'il veut. Là, je vais faire. Mm-hmm. Là, je sais pas. Il va mettre ses meeple pour faire bouger 2 de mes meeple à moi. Ce que je comprends pas avec ce pouvoir, c'est limite, faudrait que ces meeple soient au contact avec tes meeple. Bah, tes meeple que tu as bougé. Tu tires comme ça, s'il est là encore, tu tireras à son parce tour. Parce que s'il le veut, en fait, si on il peut pas mettre les 4, hein, il peut en mettre qu'un. Hein. De quoi ? Tu le détruiras. Bah voilà. Tu non. Vas pas mettre les 4 meeple là. Si. Tu vas en mettre qu'un par un. Non, c'est un mouvement de mise unité. Et tu mets les 4 ici. Et les 4 viennent ici. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand même. Ah, c'est violent. Contre le mur, il envahit. Ah ouais, t'envahis. L'attaque de Jérusalem. Oh bah dans ces cas-là, ça sert à rien de lui détruire, il va faire le 4 trucs, donc toi tu te mets ici, puis tu vas aller lui pousser un de ses, oui, un non, de ses trucs. Si, bah si, si, mon amour, tu vas lui rendre la manette. Bah, il a 3 trucs là. Il lui pètera un. C'est, tu pèteras, c'est regarde, il a deux trucs là, tu le pètes en 2 fois, tu le pètes, donc tu peux y aller. Hein. Faut lui péter aussi ses bonus parce qu'il est indécrottable sur le terrain. Là. Oh, je sais pas moi le premier. Hein. Donc ça sert à rien les. Non, le premier il est là-bas pour l'instant. Bon, l'instant. Tu peux faire ça, d'accord, si tu veux. Pour l'instant, en premier, mais toi, t'es en passe d'avoir un deuxième point de victoire quand même ici. Hein. Ouais, ouais, non, mais. Plus un troisième ici. Quatrième ici. Ouais, non, moi. Ouais, non, mais là, non, c'est ici qui est en tête. Mais je sais, oui. C'est clair, je connais le monstre. C'est clair, Pénèche. Je connais le monstre. Oh, c'est pas vous que j'ai joué que c'est mon problème. Oui, non, mais on avait compris. Je te vends. Non, mais tu vas prendre 3 catapultes sur la gueule maintenant. Mais je sais. T'as fini de jouer, mon amour ? Ouais. Mais mes trucs, ils sont sortis. Donc, moi, je suis la cata. Ah, t'avais une catapulte ? Je suis en toi. Tire dans 2 tours de l'étoile noire. Tam, 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 ça fait des étoiles noires. Plus fort, Star Wars. Tire dans 1 tour de l'étoile noire. Tu vas avoir un bâton. Avec des planètes. Oui, avec des bonus ici. Ah oui, tiens, il y a un truc qui arrive là. Ah, ouais. Un bonus ici. C'est les unités de papa. C'est des troupes. Une bonus ici. Et je spawn. C'est chiant. Ah oui, tu peux pas traverser par contre. François, tu aurais fait ton sablier, tu aurais mis la catapulte d'un coup et tu aurais tout écrit. Alors attends, lui. Pourquoi j'en ai 2 là que j'ai fait... Ah, c'est le tour d'avant, j'en ai spawné 2, donc je suis en arrière. On a fait 1. Lui il avance, il fait 3. Parce que là, Jordan, on va gagner des points rapidement. On fait alliance contre lui. On le tue. Et puis, plus t'es proche de la victoire, moins t'as de meeple à mettre sur le terrain. Quoi. Là, il aura plus rien à faire en fait à chaque fois. Regarde, à chaque fois, il fait construire 4, construire 2. Il aura plus rien. C'est pour ça qu'il fallait faire des coups de catapulte là. Le prochain tour, moi, je sais qu'il me démonte, il sait me les boîtes. Oui. À toi, Jeff. Non, c'est à moi, je l'ai pas vu arriver. Ah, t'as pas terminé. Bah, je sais, c'est ce que je fais tout le temps. J'explore comme ça, hop, là, mon joueur d'à côté. Ouais, à toi. C'est à moi. Alors. Mais il m'énerve, ton jeu s'appelle Groot. Sans sur quoi je vais le taper, moi, avec ma catap. Les troupes, contre ses bonus, il faut qu'ils sautent. Hein, parce que toi, tes bonus, ils m'énervent. Mais d'un côté, ça te fait revenir des meeple. Ils sont indécrottables sur le terrain. Hein. J'hésite entre de commencer à taper sur des bâtiments. Bah, en un tour, il y a un bâtiment qui saute si on tire dessus à 2 ou 3. Oui, bon, vous n'allez pas faire une alliance à 3 pour moi aussi. Bah, si, parce c'est vrai que. En un tour, on détruit sa catapulte. C'est pour ça.
c'est pas mal. Mais ça veut dire que là, s'il met 6, il a 6 points de victoire. Oui, il a gagné. Il a que 4 troupes. Ah, mais j'ai une catapulte qui va tirer. C'est pour il ça. Il peut envoyer un mec. Oui. Donc ça veut dire qu'on doit faire péter sa catapulte. Donc là, il gagne un point de pouvoir. Enfin bon, ça pue. Donc il faut qu'il ça saute. Ça pue des genoux. Faire péter sa catapulte. Voilà, bâtiment. Bah oui, je suis de bâtiment. Oui. Si je recule. Pardon. Ici, je prends 2 comme ça. Ah, mais toi, tu vises des unités, toi. 2 comme ça. Ouais. Et ici, je recule. J'ai fini. T'as fini? Non, je refinis, je peux faire une dépassement. Pas fini. Plein de points de victoire. Ah, ça, je peux plus. Je n'ai pas de points de victoire, bien sûr que non. Le drapeau est là. Oh, bah, il n'y a pas, il est là-bas. J'ai pas de points de victoire. Oui, non, mais tu vas te le faire là. Mais toi, t'en as 5 là. Non. De points de victoire là, t'en as déjà 4 plus là-bas. Mais qu'est-ce que t'en sais que je vais t'attaquer ta ville? Parce que regardez la quête de haut. C'était juste pour que je t'empêche de recruter. Recruter? Oui, parce que là, si je retire mes unités. Il te sert à rien ce point. Il te sert à rien celui-là. Tu sais pas ce que c'est. Ce point si, avec celui-là, il te vire 2 mecs. Bah ouais, je t'en vire 2 là. Il t'est fait reculer. Oui, mais en fait, j'ai pas envie de lui attaquer sa ville. Hein. Ouais. C'est vrai que t'en as mis 4 devant chez moi alors que t'aurais pu gagner un point de victoire ici. Bah oui. En fait, j'ai essayé de le faire en loose des points de victoire. Si je t'attaque. T'attaques, si je t'envoie un mec, c'est bon. Si je t'envoie 2 mecs, je perds mes mecs. Mais t'as pas ton point de victoire, mais franchement. Ouais, mais vu qu'il a 0 point de victoire. Bah oui, c'est ce que je me dis, il a 0 point de victoire. Bah il a 0, c'est ton concurrent. C'est pas très intéressant. Là, j'ai le mur de l'Atlantique à 2 niveaux. Si je veux rentrer chez lui, c'est impossible. C'est un truc de fou. Hein. Bah tu mets un pont. Je mets un pont aérien. T'as pas de pont? Wow. Tu mets un pont pour aller à chaque. T'as recruté ton unité gratuite? Ouais, je peux plus rien prendre, j'ai plus rien terrain. Non mais là, ton unité gratuite que tu as recruté de ton dépôt qui vient. Ah non, je l'ai pas prise, puisque je l'ai pris ici. Exact, j'ai 3 mecs. 3 mecs, on va s'autodétruire, ça me fait chier. Mais je gagne 3 points. Tu gagnes 3 points. Et t'as un point de victoire. Je gagne un point de victoire. Ah ouais, si, ouais, je vais le faire. Mais bon, je suis mort, t'es mort. Pff. 3 points de victoire. Et toi, t'en as 1, 2, 3, je reviens ici. Et toi, tu en gagnes 1. Ouais. Et je gagne 1 point de victoire. Donc en plus, je perds un meeple sur le terrain. Bon, ok, d'accord. Pourquoi pas. C'est bon? Non, c'est pas bon. Bah, moi, je suis désolé, mon loulou, mais je te casse ton bâtiment, hein. Je te pique. 2 points de victoire. Je fais 2 points de victoire. Ouais. Déjà 3. Et là, tu vas pouvoir te construire un nouveau bâtiment. Et après, il dit que c'est moi qui ai promis. Ça, c'est méchant. Ah non, mais j'avais pas vu. Mais je t'attaque faire. Plus, moi j'attaquais le pépère. Là. J'avais pas vu. Ouais, tu vois. Parce que maintenant c'est lui mon concurrent. Ah, t'as 3 points de victoire. Catapulte. Là on est en alliance tous contre toi. Détruit, 2 points de victoire. Ça va. Alors regarde la petite bite. Ah, petite caquette. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, tu te mets où? Bah, je mets là. Il vient de se déplacer ici, il vient d'apparaître là. Je sais pas. Et là, il a pas les catapultes. Du coup, là, il contrôle plus rien. Il contrôle plus rien. Il n'y a plus de bonus. Plus de bonus de combat. Vous pouvez pas m'attaquer, vous pouvez pas bouger de 2. Non. Ça me sert à rien d'avoir mes bonus pour l'instant. Ok, à moi. Quand on vous tue une unité ou 2 unités. À moi, j'ai ma catapulte, mon ami. C'est pas faux. T'étais qu'à là-bas. Ouf. On a 2 chinois qui gagnent 2 points de victoire. Attends. Oh, donc tu fais les points, Allez. Points, ouais, mais soit là ou soit là. Il fait des points là. Un point de victoire. Ouais, mais. Dans tous les cas, il a pas ses pouvoirs et moi je peux en mettre. Là, j'en mets 3 sur. Je peux en mettre 5 sur le terrain et lui en déplacer 2. Ah oui, tu vas les tuer, t'as raison. C'est pas faux. Oh, attendez. Du coup, attends, ma catapulte. Attends, voilà. Ok, là, mec, c'est bon. Donc je fais ça. Je peux en bouger 2. Ouais. Je te les mets là, je te les renvoie là. Oui. Je mets la catapulte. Mais t'as pas le droit d'utiliser le bonus pour moi, c'est moi qui choisis si je rentre. C'est lui qui déplace tes unités. C'est moi qui déplace mes unités. Oui, mais il me les déplace sur la case, mais c'est moi qui choisis si j'ai envie de prendre le tunnel. C'est une très bonne question et je sais pas dans les règles. Hein. Putain, attends, bouge pas, je vais lire la grotte. Attends, bouge pas. C'est bien joué. C'est bien pensé en tout cas. Groupir. Et puis t'as pas le droit parce que là il y a une forêt, donc c'est mort. Non, c'est mort. Ouais, bah alors si je veux, je mets mon truc. Ah oui, on va juste que faire ça. Attends, la grotte. Les meeples qui quittent une grotte peuvent, à la place de leur déplacement normal, se déplacer vers un terrain situé à un terrain d'écart de la grotte.
Ah non, c'est pas la porte, c'est le tunnel. Dès que des meeples entrent sur un tunnel de la mine, ils peuvent être immédiatement placés sur une autre extrémité de tunnel. Oui, mais les meeples ne disent pas que tu. Bah oui, mais c'est mes unités. C'est écrit quoi dans le cible? C'est moi qui les déplace. Ah, mais c'est mes unités. C'est moi qui choisis. Attends. Des meeples déjà présents sur. Alors, donc, en fait, c'est quoi ton objectif? Alors, on va lire ton truc. Ils peuvent me déplacer mes unités. Qui déplace X troupes adverses sur des terrains adjacents. Sur des terrains adjacents. Ouais, est-ce que j'ai un peu plus d'infos? Certainement. Yes. Alors, déplacer X meeple adverse situé sur un ou plusieurs terrains vers des terrains adjacents. Cette action peut mener à un sacrifice sur un autel ou un combat qui sont résolus immédiatement. Les points de bravoure obtenus par ce sacrifice ou ce combat sont marqués par le joueur à qui appartient le meeple épouvanté. C'est d'épouvante? C'est un d'épouvante, toi? Oui. Ouais, c'est pas marqué, hein? Ça aurait été rigolo, effectivement, qu'il déplace mes trucs, qu'il déplace mes armes, qu'il me foute un petit cap. C'est rigolo pour toi, mais plusieurs. Oui, pareil pour moi, mais pour lui, ça aurait été bien joué. Vers des terrains adjacents, tu peux faire sur plusieurs trucs de la carte. Cette action peut mener à un sacrifice sur un hôtel. C'est quoi un hôtel? Un hôtel, c'est ça, regarde. Un hôtel, c'est dès que tu envoies une unité là, en fait, ton unité meurt et l'unité qui est à côté de l'hôtel, tu choisis une unité. Dans ce cas, il y a combat. Et ouais, ils disent pas si ça peut t'emmener dans un tunnel où tu décides que le mec il prend le tunnel. Bah oui, si c'est moi qui bouge ses joueurs, ça veut dire que. Mais il a pas dit que tu prenais le contrôle. Oui. Tu pousses les mecs d'une case. Non, tu leur fais peur en fait. C'est ça que tu veux voir. Donc tu les prends pas le contrôle. En toute logique. C'est quoi le nom exact de la. Épouvanté, toi. Ouais, donc non, tu prends pas le contrôle. C'est épouvanté, tu leur fais peur, ils se barrent d'un des déplacements. C'était bon. Cela dit, tu ne pouvais pas, où il aurait fallu que tu mettes en plus ton truc. Ça faisait beaucoup, hein. Beaucoup moins drôle. Mais. Tu peux en déplacer combien? Deux. Ah, que deux. Pourquoi tu veux faire quoi, toi? Ah, parce qu'il a le droit, par exemple, s'il veut en déplacer trois, il a le droit de faire deux, un, et puis un là. Et pfff, que t'as fait. Là, il avait le droit. Je peux pas faire genre là, déplacer les deux, j'en mets un là et un là dans son truc. Mais non! Lui-même. Mais t'as fumé, toi! Tu peux pas plus faire grouper que. Non, mais il voulait faire ça! Hop, dans ta ville! Non, t'as pas le droit. Hop, dans ta ville! Du coup, qu'est-ce que ce qui aurait été sympa, c'est qu'il y ait deux groupes de deux côtes. Là, ouais, c'était quand même vachement bien. Tu fais ce que tu veux. Je l'ai prévu quand même pour qu'il passe ça. Hein. Oh. De toute façon, tu lui piques un point de victoire et tout. Bon, en tout cas, tu as fait un truc d'épouvante. Ouais, mais du coup, je sais pas quoi. Non, mais ça vaut plus le coup. Bah, si, tu peux l'écarter de ses points de victoire et le tabasser là-bas, par exemple. Ouais. Et toi, ensuite, tu vas venir m'attaquer. Ah, bah oui. Ouais, et moi, je t'attaque. Ah, bah ouais, c'est pour toi et tout. Mais non, mais en fait, attends. Les tuer. Non, mais tu veux les tuer. Il veut les tuer. Mais elle a la catapulte. Attends, en fait, oui. Alex. Non, tu les rapproches de toi. Alex. Parce que tu les mets là, comme ça tu spawn ici, tu les tues et après tu bouges. Alex. Ah oui. Bah oui, c'est mieux. Oui, du coup je les mets vers moi. Tu les mets toi, tu spawn, t'as pas besoin de bouger. Les spawn, ils voilà. Non, mais spawn, ils bougent, ils contrôlent. Oui, c'est mieux. C'est mieux qu'un combat. Je mets ma catapulte. Alex. Si, mais tu restes. Attends, j'adore poser ces deux-là. On a tué un truc de fou. Bien sûr. Voilà, du coup là je. J'ai deux points de victoire. On est ex aequo, je te rappelle. Ouais, mais tu contrôles tout le terrain. Ah, mais regarde, là t'as tous les bonus. Puis t'as 4 bâtiments, j'en ai plus que 3. Ouais. Voilà, du coup, ensuite. Mais moi je prends tous les 3 sur le 3, alors que c'est y pas. Il y a ça, j'en déplace 3. De toute façon, tout à l'heure tu as dit que t'avais battu et 3 ça, joueurs à 3 contre 1, donc c'est. Oui, mais c'était dur. C'est quoi ça en bas? C'est ton reconverti. J'étais à 3 contre 1 alors que j'étais comme ça, il m'a stické 2 points. Mais t'es pas obligé d'avancer, il est obligé d'avancer ou pas? Oui. T'es obligé d'avancer quand même. Oui. Ah bon, bah tu déplaces tout le monde alors, voilà. Donc là, il y a combat. T'en perds 2, je gagne un point de victoire. Il peut bouger après ou pas? Ouais, c'est ça, le... Ah ouais, c'est ça la question. Ah oui. C'est pour ça qu'il fallait peut-être pas faire bouger ce combat. Non, parce qu'il apparaît. Qu'un des bonus. Avancée des ouvriers, action des bâtiments. Il y a combat d'abord. Déplacement des meeples, combat après. Ah non, non, mais quand il a le droit de toute façon de déplacer 2 meeples comme ça. Non, mais c'est marqué dans les règles que dès que des meeples entrent dans une case où il y a des meeples adverses, il y a un combat immédiatement. Mm-hmm. Donc dans tous les cas, il y a la case évidée. Ouais, donc il se déplacera. Oui. Il se déplace après, c'est avant ou après. Ouais, d'accord. Donc je gagne un point de victoire. Donc tu gagnes 2 points de victoire chez l'orange, 1 point de victoire chez le noir qui se fait un vrai point de victoire. C'est bon, j'ai mis. Et du coup, moi je peux bouger, non? Oui, oui. Voilà. Qui n'a pas le moine? Et du coup, c'est le fait. Christophe, est-ce que t'as le moine? Oui. T'as le moine? Oui. Il avait. J'avais. Ah, t'avais le moine. Toi t'as pas le moine, mais toi t'as le moine. Donc c'est pas sur toi, faut que j'utilise ça. Bon, bref. Ça va être chaud de night. On va bien reconstruire un bâtiment maintenant. Donc là, je génère un mec, c'est ça? Ouais. J'ai mes mecs qui reviennent en arrière. Donc, il revient en arrière. Lui, il avance. On va faire ça là.
Et lui, il avance. J'en ai deux qui spawn. 3, pardon. En gros, dans tous les cas, là, à l'autre tour, je peux juste bouger mes deux bonhommes là-bas. Tu les bougeras pas. C'est chaud. Non. Na. Non, c'est juste un truc comme ça. Tu bouges pas. Alex, Alex, c'est un truc amical. Je te préviens juste, tu les bougeras pas. Explore. What? Pourquoi est-ce que tu vas la cuisse? Ah, mais c'est pas. T'as deux fois le même bonus là. Ouais, mais y'a plus personne. Moi je serai allé. Du coup, il sert à rien. Comme ça, il est au contact. Par contre, j'ai pas fait gaffe, la grotte elle peut nous amener. Ah non, c'est un tunnel ça, putain. Ah, mais t'as cru quand même que j'avais trouvé ça pour que mes bâtiments. Ouais, c'est ça. Tu vois, en fait, le coup du tunnel qui arrive chez toi, c'est une catastrophe. Mais oui, c'est ce que je dis. Dès le début, j'ai fait oh mon dieu. Ouais, donc j'ai aucun même intérêt à construire ici. Parce que tu vois que je construis. Non, mais même ta ville. Mais non, là, non, il y a la forêt. Ah non, il y a la forêt. Bah, tu utilises un arbre. C'est quoi? Ça dépend si c'est un gros truc ou un truc qui a que deux points de vie. Oui. Non, mais il a pas le. Il peut plus avoir le mage qui lui sauve les unités. Grishkov. Okay. Il y a deux unités de couleurs différentes. Papa, moi je t'attaque pas. Donc tu oui. Ah oui, ma bousille, mon jeu s'appelle Groot, toute espèce de petit châtain là. Chut. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Croot. Mais en gros, à tous les tours, il te le bousille. Là, t'en ramènes un, et lui, à chaque fois, il t'en ramène un, il t'en ramène un. Non, presque. C'est... Non, mais là, faut que j'en crée, qu'il se bouge. À la quelle le. À la quelle le. Tout le monde s'en fout. Tant. Dame les gens, c'était bonne chèque. Vas-y, là. Non, touche pas, mais je crois. Non, attends, dans le trou. Il y a une différence entre ces symboles-là. C'est moi le premier joueur. Quelle différence entre ces symboles-là? Et il a pas les mêmes symboles que nous. Et attendez, il y a un truc qu'on n'a pas bien joué. Hein. Ah bon? Ah ouais. Quoi? Je confirme. Non. Tu places un meeple sur le terrain devant la porte. Ça, c'est sur fond normal. Toi, c'est sur fond jaune avec un hexagone. Ouais. Et ça veut dire placer X meeple près de votre entrepôt sur un terrain où se trouve au moins un de vos meeples. C'est défense, c'est atterrissage aéroporté. Hein. Pas pareil. Grushkov! Ça peut dire qu'il peut faire spawner 7 meeples là? Oui. Il spawn où il veut. Attends, t'imagines, il y a un meeple là, il en fait spawner 7, ensuite il bouge, il a gagné. Ouais, c'est pas mal aussi ça, on l'a pas utilisé. Non. Grushkov! C'est quoi ça? Quand tu remplaces un bâtiment envahi par tes propres meeples quand le bâtiment est détruit, tu gagnes des points de victoire? Oui! Ah, je sais pourquoi il hésite. Regarde, Arthur, ils font les courses. Voilà. Ah, bah, joli PLV. J'espère c'est pour toi. Mais ça vaut 2000 euros de plus. Ah oui, non, ça va, laisse tomber. Toi, le tien, tu l'as acheté à 2000. Mais non, mais celui-là. Il y a quoi qui. Et c'est son armure? Il peut rentrer dedans ou pas? Je sais pas, je te demande comment c'est. Elle fait 4000. Maman, elle fait. Achat! Non, mon amour. Grushka! Super. Et puis ça, c'est pareil, c'est quoi ces symboles? Je me rappelle plus. Oh là 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 là! C'est des unités volantes! Oh. Ça, c'est volant ça? Ouais, ça, c'est volant. Placez un meeple de votre entrepôt sur un terrain adjacent à un terrain où se trouve au moins un meeple adverse. Ouais. Au moins un meeple adverse. Ah, tu peux très bien venir te mettre ici à côté. C'est un meeple aussi. Hein. Grushka! Ouais, pas beaucoup, hein. Ouais, mais ça, mélange. Ça combiné avec ça. Ah ouais. Oui, tu combines ça. Placez un meeple de votre entrepôt sur un terrain adjacent à un terrain où se trouve au moins un meeple adverse. Il en fait spawner 7 en 6 bouches. Oui. Celui-là, je sais pas ce que c'est. Ce papa. C'est quoi ça? C'est choix? Ah, mais non, choix. Non, mais je crois que c'est pas normal, sinon il a gagné en un tour. Ah, c'est tout dédirigeable ça. Mais c'est quoi ça? C'est soit tu m'as mis meeple devant ta porte, soit tu m'as mis meeple ailleurs? Oui. C'est nul. François, mais ça c'est pas possible parce que en fait là, s'il en fait déployer 7, il les met devant moi, il les bouge, moi j'ai perdu. Il doit les mettre là où il est. Là où mais regarde, en fait on pourrait combiner deux combinaisons. Regarde, s'il a ça plus ça, toi tu vas là, t'en mets un là, il en fait 7, ensuite il bouge, ils vont tous c'est lui. Vous voyez, il a gagné. Ah. C'est vrai que c'est un peu cheaté, c'est un truc. Faut que je me fasse des combinaisons. C'est des combinaisons. Là, je suis désolé, je sais toujours pas ce que je vais faire. Je vous emmerde, c'est vrai. Fais exploser sa catapulte. Il peut pas. Mais si, on met un gars sur ta catapulte. C'est 3 points de vie alors. Bah oui, à chaque fois on t'en met un. Et papa il t'en met un parce que là il est prêt à t'en mettre un. François aussi. Mais oh, regarde-moi.
Je lance une construction. Faut lui faire péter ça. Fais lui péter ça. Grushko. Je sais ce que je vais faire. Ah oui, tu peux aussi attaquer pendant la construction. En fait. Oui, et même quand elle se retourne, mon Meeple il est toujours sur la case. Fire. C'est comme ça que je prends. Oui. Je sais sur ma catapulte. Ah non, c'est la catapulte. Tais-toi. Sur la caserne. À moi de jouer ? Ah ouais, mais il va gagner. Ah, j'ai pas fini, je peux bouger peut-être. Oh bon sang. Mais Raïnou, oh, tiens, je gagne un point de victoire. Oui. Je le prends où ? Là, oh tiens, là. Oui. Oh oui. Tiens, oh, c'est toujours lui le premier joueur. Attaquez-moi surtout, parce que lui, il aurait été de se faire loose day. Ah, ouais, je peux spawner un mec là. Oh oui. Voilà, Alex. Et maintenant, j'attaque. 4 points, 4 points. Dans tous les cas, j'ai perdu. Moi et papa, on a perdu. Papa, il a 0 points, il est là. Putain. Je pleure. Je t'attaque, mon chou-fleur. Un point pour moi. Et du coup, t'en as. Voilà. Et puis après, je peux. Ah, moi, je vais l'attaquer maintenant. Ah, mais c'est pour le vie. Par où, par là ? Panzer ! T'en perds un. Pim, ouais, j'en perds un. Je gagne un point. Voilà. Je vais faire mon bonus. Et maintenant, je vais passer à l'assaut. Mais t'as fumé, toi ? Bah, tiens. Hop. J'ai fini. Ah, mais il a gagné ? Qui ? Toi ? Pourquoi ? Prochain tour. Sauf s'il te le détruit pas lui. Parce que. Ouais, mais regarde, si tu vas là, bah là tu gagnes 2 points de vie. Mais je peux pas aller là-bas. Donc j'en fais spawner 4. Ah, y'a que avec la catapulte. Les 4, ils rentrent, lui, ils retournent. Ouais, une puissance de sortie militaire. Le premier qui envoie une catapulte, on gagne un point chacun. Et faut pas lui faire gagner de points. Il faut pas me faire gagner de points. Mais t'es balèze, mon chou. Alors, j'en ai un qui rentre ici, ça veut dire que je n'ai pas la première perte. Non, c'est au début. J'ai le bouclier. C'est au début, ouais, c'est du tour. Je le contrôle. Ah, à partir du moment où il contrôle. Ah, peut-être, je sais plus. Mais non, c'est à la fin du tour. Ouais, c'est... je crois. Ouais, mais c'est pas les mêmes choses. C'est au bout d'un tour. Là. Si le joueur défenseur contrôle un terrain forge de bouclier, il ne subit pas de première perte. Ouais, non, c'est. Donc, j'envoie. Ah non, c'est les exceptions, ça. Ah non, bah oui, c'est ça. J'en envoie deux ici. Donc, tu meurs. Ah ouais, donc quand. Tu meurs. Et moi, je reprends le contrôle de ça. Ah ouais, t'en perds pas, gagne un point, oui, je gagne un point. Ah, c'est immédiat pour le contrôle. Oui. Ouais, ensuite, j'ai... c'est pour ça que ça, c'est pour ça que tu y viens et au tour d'après, si tu contrôles, tu prenais le pion. C'est ce que j'avais compris. Hein. Ah. Eh ouais. Bon, attends, j'attends. Tu bah ouais, on va regarder la vidéo. Ça. Parce que du coup, t'en perds un dans tous les cas. Non, j'en perds pas. Là. Combat, résolution, exploration. Ouais. Mais dans tous les cas, je m'en fiche. Ah mais enfin, à tout moment de la partie. Un joueur peut utiliser un de ses pions pour modifier un terrain. Donc c'est ça les pions, c'est ces machins-là. Qui ont été gagnés précédemment en utilisant une action au bâtiment université. Ah, c'est ce que je t'ai dit. Oui, mais je gagne pas le pion là, je gagne le bonus là, qui est marqué là. Ça, c'est les pions en contrôle l'université. Oui. D'accord, attends, on va regarder. Hein. C'est une exploration. C'est l'outil de déplacement. Un joueur a placé un ou plusieurs bipodes sur une place vide. Ça, c'est exploration. Ou est-ce que c'est le contrôle des terrains ? Action des bâtiments. Déplacement des terrains sur le terrain. Un meeple possède. C'est le contrôle qui m'intéresse. Les meeples ne peuvent pas franchir de forêt, on s'en fout, un meeple ne peut jamais dépasser les meeples sur ses propres bâtiments. Un meeple placé sur une défense ne peut être ni détruit ni dépassé, ni oublié. Un joueur peut avoir plusieurs meeples sur un même terrain, sur un même espace vide ou sur un même bâtiment adverse. Un joueur peut dépasser ses meeples vers un terrain occupé par un meeple adverse. Arrête de me regarder ma vie, tu me stresses là, Chris. Exploration, combat. Parce que je veux pas dire, mais c'est lui qui est en tête sur moi là. Non. Amélioration, regarde le score, je suis derrière lui. Hein. Ouais, mais dans tous les cas. Et c'est un nouveau tour. T'as gagné. J'ai pas gagné, c'est un nouveau tour, il est devant moi. Tu veux te faire défendre. Non, mais c'est juste que tu comprends pas en fait. Non, mais je vais pas donner un point à François, c'est sûr. Oui, c'est obligé. Ouais, mais sa catapulte, comment on fait ? Parce qu'en fait. Bah, il suffit de faire ça et puis tu vas taper la catapulte. Mais on n'a que un. Ah, gain des bonus. T'en envoies un, si par exemple. Si, là, au début de son tour, un joueur a deux de ses meeples sur une bâtisse, il obtient le bonus indiqué. Ça qui est moutin. En tout cas, je m'en fiche, regarde, je fais ça là. Tu meurs. Je m'en fiche, j'ai le deuxième qui vient là. Ouais, donc là en fait quoi, je gagne un point. Tu m'as tué. Non, j'en gagne un. Lui il en gagne un, mais toi tu gagnes pas. Donc j'en gagne un s'il te plaît. Bah, c'est fait en fait. J'ai deux de mes unités qui montent là, je lui tue ces deux troupes. Mes deux troupes meurent aussi. Je gagne 2 points supplémentaires. Donc, gagne 2 points et Orange gagne 1 point. Hop, un point de victoire pour un point de victoire. Ouais, j'ai terminé. Au début de ton tour. J'ai fini. À toi. Allez. Avec Chou, tu reviens en arrière. Du coup, là, je suis 11. C'est ça. Dans tous les cas, je joue pas. Oh. Ouais, t'as plus de trucs. J'ai fini, Alex. Bah, si, c'est plus.
À moi. Ouh, mais c'est en arrière. Je fais ça. Fire! 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 Ta gueule, toi. Fire! Oh, y'en a qui vont finir. Non. Fire! Pas cette fois-ci. Tu m'en vis, les gars. Les gars sur le. Non! Ils étaient tellement bien accrochés, les meeples. On s'accroche par le chapeau. Chapi, chapeau, pape. Chapi, chapeau, pape. Alex, tu sais faire. Tu sais danser avec mes meeples. C'est comme ça qu'on danse. C'est comme ça qu'on s'aime. Alex, non. C'est bon, j'ai fini. Même si je sais que tu fais ça, mais je m'énerver, je m'en fous. Avec ça, je vais où alors? C'est comme ça qu'on s'aime. Partout, sur la même case. Sur le même symbole. Oh, j'ai réussi à faire. C'est des portes. Il y a que là. C'est que là, en fait. Si tu connais là, super. Et voilà, c'est bon. Et c'est comme ça qu'on dirait un chien. Comme ça. Un chien. Donc, si je vais là, je vais là-bas. Comment faire un chat? On fait de l'autre côté. Quoi? Mon chat, il est mort. Immédiatement, allez. Ouais, mais je referais quoi là-bas? Moi, je ferais rien, c'est un exemple. Ah ouais. Donc tu remplis. Et je pourrais pas faire, c'est quoi? C'est lequel qui fait une case adjacente et tu bouges tout de suite? C'est pas ça. C'est la grotte, elle est là, c'est elle. Ah ouais, donc ça, je peux pas le faire. Ouais. C'est bon. C'est moi? Vibration. Ah non, j'avais un truc, ça... d'ailleurs, au début du tour, ça devait me générer un mec là, non? Vibration. Oui. C'est à moi? Oui. Allez. Chicane, il y a un point défectoire, hein? Un petit Playmobil. Ouais, comment t'as fait? Je contrôle ça. Eh, hey, regarde, il va nous la mettre à l'envers. Bah oui, c'est pour ça que. Alors, je bouge mes ouvriers. Donc là, ça revient. Bah, t'as intérêt à le défoncer là. Faut que tu lui mettes ça, ça ton avance. Arbre. Mais il a réussi à faire ce qu'il voulait. Ça, ça à vous mettre sur moi pour que vous me ralentissiez et que lui, il me dépasse à la fin. Ah ouais, parce que là, il fait. Il balance sa catapulte et il a gagné. Opération sablier du temporel. Faut ah oui, il va accélérer. Chris, non mais t'es quoi? T'es pas sûr, truc de fou. Je finis. T'as les mouches qui se posent sur ta porte. Attends, je te frappe pas. C'est fini, c'est à toi. T'as des mouches qui se posent sur ta partout et tu t'en fous. Sablier du temps, c'est-à-dire que c'est... t'as fini le jeu. J'avoue. Pourquoi? Parce que rien. Sablier du temps, c'est-à-dire s'il va là, c'est-à-dire que ça bouge et ensuite lui, il choisit son truc de bouger, une catapulte et une catapulte dans la base. Non, si on tire dessus avant. Exact. Oui, mais même si vous tirez dessus avant, il reste un point. Alors, faut que je le fasse quand même. Ah ouais, tu vas les faire, il peut pas, personne peut le faire. Ah ouais, je gagne un point. Donc ça sert à rien de catapulter. Bah oui. Donc c'est fini. Échec et mat, les mecs. Bah alors on a gagné. Il a gagné. Non. Échec et mat. Si. Non. Sauf s'il y en a qui finit avant moi. Lui peut-être. Deux points sur six, tu peux faire deux points. C'est possible. Vas-y. Comment? C'est pas possible. Voilà. Bah non, c'est fini. C'est fini parce que Alex peut pas détruire, il est trop loin. Toi, je suis ton maître. T'es un joli manipulateur, toi. Oui. Je suis ton maître. C'est pas mal, dis donc, ça. C'est marrant. Oui. J'arrête de jouer avec toi, j'en ai marre. Hein? Allez, stop, là. C'est rigolo, parce qu'en fait, après, chaque carte est différente. Non, c'est bien. Je fais stop.